Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment on s'attribue des photos à son palmarès, si jamais on était sur une course dans laquelle j'ai pris des photos. Donc d'abord, on se connecte à son compte avec son pseudo et son mot de passe. Puis on va dans la rubrique photos, on cherche la course dans laquelle on a sûrement été pris en photo. Ici, Aradon-Van pour Benjamin Lheureux. On clique bien sûr sur l'album, l'album s'ouvre. Et là, comme vous le voyez, il y a une petite case à cocher en dessous de chaque photo. Ça n'apparaît que si vous êtes sur ordinateur et que si vous êtes connecté à votre compte et que si vous avez participé à la course. Je coche donc la photo qui me concerne et je clique sur « Mettre à jour la sélection de mon album ». Donc je retourne dans « Photos ». Benjamin Lheureux a également participé au filet foulé de biotine. Hop, je clique dessus, je cherche les photos qui me concernent. Je les coche toutes. Donc pour cette course, il y avait deux salves. Donc je vais directement plus bas chercher les autres photos qui me concernent. Je les clique, je les coche. Je remonte tout en haut de la page et je clique sur ajouter à la sélection de mon album. Et donc quand je reviens sur ma page de profil, on voit qu'ici sont apparus à droite une rubrique, un lien photo. Quand je clique dessus, je ne retrouve que ma photo, que la photo qui me concerne. Même chose pour les foulées biotines, voilà ma sélection de photos. On clique sur la photo, elle s'agrandit et on peut aussi cliquer droit et faire enregistrer sous si on veut récupérer la photo pour soi. Et voilà.